Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode sur War Tales. Ce serait bien d'avoir un alchimiste pour pouvoir fabriquer nos remèdes, donc je pense que... Tiens d'ailleurs, attends... c'est Ludar le dernier. Ah oui, t'es cuistot. Ouais, je pense que l'alchimiste serait intéressant pour le prochain personnage. Avec la consoude, je crois que c'est consoude et iris des neiges. On peut faire des remèdes. Ouais, mince. Tu veux pas la ramasser? Tu veux pas la ramasser? Non, j'ai de la place, qu'est-ce que tu me racontes? Bon. De toute manière, il va falloir poser le camp, on va le faire. Tout le monde est placé où il faut, non? Voilà, racigné. Ouais, bof. Ouais, non, on est bien. Donc. Du rat, ouais, pourquoi pas. Je vais vraiment faire de particulier. 4. Ah merde, pestiféré, galé à carte. Cette unité est condamnée? Non. Contaminée, j'ai eu peur, par la peste. Elle ne peut se nourrir que de viande, risque de perdre la raison si elle est affamée. Bon, eh bien, va falloir les soigner. Un compagnon incapable de viser correctement est un danger pour l'équipe. Il faudrait peut-être réfléchir à l'avenir de... nul, je sais pas qui c'est, ça doit être un des deux là, j'imagine. Exclure nul du groupe. Qui est nul? Consacrer du temps à l'entraînement de nul. Plus d'un point d'attribut, mais on va voir. Ok, personne en particulier. Je peux cuisiner des choses ou pas? Non, j'ai plus de sel de toute manière. Ok, bon, on lève le camp. Et on repart. Tiens, du fer. J'ai pas un truc à lire au fait. Non. Ah, oh, il m'a remis ton roquet, c'est vrai. Ok, bon, on poursuit. Alors, ouais, direction. Direction ici. Retrouver le chef des réfugiés à l'assaut de Stormcamp. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'aurais bien aimé récupérer les thunes avant, mais bon. Mur invisible. Non, bien. Je crois pas que les sangliers attaquent en dehors des forêts. Il y a eu des champignons, ouais. Attends, on va où? On va là-bas. Pourquoi vous avancez plus, les gars? C'est pénible, ces murs invisibles. Bon, après le jeu est en accès anticipé encore, mais bon. Il reste très complet, mais bon. Mine de sel, non. Bon, quoi qu'on peut aller faire un petit tour. Ah non, bah non, y a rien. Y a un truc à faire? Non. Bon, mais très bien, on ressort. On va à l'assaut de Stormcamp, on a des gars pestiférés. Si on pouvait trouver des marchands, ce serait bien. Avec des remèdes. Parce que je sais pas ce qui se passe si on est blessé et pestiféré. Généralement il y a des marchands là autour de Stormcap. Ouais, je crois qu'il y a plus personne parce que c'est la bagarre. Ok, allons voir. Fergas. Le bourgmestre n'a rien voulu entendre mais nous ne renoncerons pas, pardon. Nous sommes prêts à nous battre, êtes-vous avec nous? Bah oui. Trois fantassins, trois phalanges, un lieutenant, deux alliés. Qui sont les deux alliés? Bon, j'espère qu'on va le gagner ce combat, ça m'en mettrait. Et puis qu'on va surtout perdre personne. Je pense qu'on va le gagner, mais ce serait bien de perdre personne.
Oh, mais ils ont déjà... C'est excellent, ils ont déjà commencé le combat, du coup. On peut sauver lui, déjà. C'est lui le premier à attaquer. Bah... Lui, il va mourir. Ah, ils vont se tuer les uns les autres. Ils vont en tuer deux de base, en fait. Donc, à moi d'en tuer un, déjà. Alors, attends. Déjà, on va faire ça. Mais pour cela, waouh. Reste pas une place par là? Non. Ah, putain, Galé, je vais te mettre où? Ah, attends. Galé, il a... Non, mais Galé, il attaque après. Toi, tu vas aller là. C'est toi qui vas attaquer en premier. Toi, adjacent un allié, ouais. Ok, ils sont... On est à un de plus, maintenant. On passe le tour. Donc lui, il meurt. Voilà. Ça, c'était prévu. Lui aussi. Oh, c'est violent. Ok. Maintenant, toi. C'est une bêtise, ça, de l'engager, lui. Oh, tu l'engages pas? Bien. Oh non. Il y a les sacoches qui protègent. Alors, toi, est-ce que... Ah, tu peux réussir à le choper. Bon, on peut choper lui. Ok. Non, on va perdre Galé. Ils font trop mal. C'est lui le chef. C'est elle, la chef bourgmestre Gontrande. Ok, alors toi, je passe énormément de... Non. On va faire le deuil, hein. Il est puissant à 3 contre lui. J'aurais pas dû le mettre là, c'est une bêtise. Attends, j'ai pas beaucoup d'endroits où le mettre. Hein. On va se mettre là. Lui, il faut surtout pas qu'il meure. Hein. Mais t'es bête. T'es tellement bête, toi. Il va attaquer avant toi, du coup tu vas mourir. Ok. Attends, puis on rachètera un cheval. On va utiliser provocation quand même sur toi. Enfoiré. Il pique lui. Il va coûter cher ce combat. Ok, alors toi, il va falloir que t'en finisses un rapidement. Bonnes armures là. Il y a de très bonnes armures. Toi, c'est adjacent à un ennemi sans être engagé. Ouais, mais de toute façon, on peut plus bouger. Non, toi, pardon. Bien. C'est elle qu'il faut que j'arrive à aggro. Brûlure, poison. Ah ben, quelle est bête. Nouveau tour. Alors. Je sais pas si on va réussir à le sauver. Je pense pas. Alors on va déjà aggro le chef là.
Non, je vais aggro lui. Il est pas dans le poison, lui, dans le poison. Non, je fais le deuil de Galé, ça y est. Ouais, j'aurais pas pu le sauver. Bien. Bon. Ok. Non. On passe le tour. Bon, lui, on va le finir. Mais ils vont tous arriver par là maintenant. Ça va. Et voilà, espèce de débile. Toi, tu vas venir là. C'est pénible de quand on va arriver au bout là à chaque fois. Bon, viens là, c'est pareil. Bon, c'est un archer le chef, donc si je me mets là, je l'aggro sans partir dans le poison, très bien. 15, wow. Il a une super armure lui. Oula, toi t'es au bout du monde. Et tu fais 3 pas, génial. Ah putain, j'ai pris le poison, je voulais pas. Ouais, voilà, il va plus faire mal du tout, lui. Oh, tu peux me mettre... Bon, c'est qui? C'est Feta. Ah oui, mais j'ai pas accès au truc. Je crois que c'est allié, lui, donc si je me mets... Non, mais faut attaquer. Ça va, ça va, ça va. Ok, déviation. Attends. Il a déjà déviation. Ouais. Ouais, vas-y, faut le finir. Bon, lui, il va pas rejouer à la fin du combat, je pense. Bien. Putain, mais fin critique. Qu'est-ce qu'ils avancent pas, eux? Enfoiré. Bon, il va mourir au prochain tour, mais quand même. Et lui, on n'y est pas encore. Hein. Attends. Ouais, non, c'est le dernier à jouer. Fais un critique, c'est pas compliqué. Ouh, lui ça va aller moins aller. Ouais. Oh là là. Il va y avoir des morts dans ce combat. Alors toi. Putain, tu le finis pas? On peut essayer. Dégâts subis moins 50% sur la prochaine attaque. Tu vas passer dans le poison? Ah.
très bien. Ok. Ah, ça m'énerve, je vois pas les bonus et les malus. De toute façon, on est dans le poison, donc on peut y aller tout droit. Ah non, j'ai repris deux de poison. Ben voilà. Attends. Non! Quelle bêtise. Une fois par combat, donc non. Et je l'ai fait. Bon, bah super. Trop bien. Lui, il est pas engagé, ça me va. Faudra engager les autres. Bon là il a 3 contre 1, il devrait tomber assez vite. Avec un critique en plus. Me dis pas que tu... Ah. Ok bon ça sent la fin là. Toi ouais, tu fais 3 pas, tu t'arrêtes. Toi tu vas aller... Là on va finir lui, même si on prend du poison c'est pas grave. Faut terminer le combat. Bon, on aura perdu que Galé, j'ai envie de dire que c'est quand même plutôt bien pour le combat que c'était. Putain, si j'avais une vraie arme et pas un bâton. Ouais, et tu vas mourir là. Voilà. Ah non. Bah là. Je pense que là j'ai les deux. Ouais. Enfoiré, mais qu'est-ce qui tape fort ? On va se mettre là pour éviter qu'elle aille là. Et fin du combat, waouh. Humal est devenu bourreau. Ok, on va tout récupérer. Tout réparer. Bon, on est beaucoup trop lourd du coup, vu qu'on a plus de cheval. Continuer. Un dernier mot, vous n'avez pas le droit d'être là. Stromkop est un village libre, il n'appartient qu'à son peuple. Vous n'êtes que des parasites, trop heureux pour lutter pour vos propres terres. Nous sommes ici parce que nos terres ont été brûlées, parce que nos artisans ont été réquisitionnés, parce que nos familles mouraient de faim. Tout ce que nous voulions, c'était que vous nous accueilliez dignement. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Tuer les villageois de Stromkop, endosser leurs vêtements et capter leur commerce? Dormir dans leur lit et remplacer notre peuple par le vôtre? Non, juste forcer les villageois à partager. Ce que vous auriez dû faire pour que l'on n'en arrive jamais à ce point, d'accord, je comprends. Je serai le nouveau bourgmestre, et je serai le nouveau bourgmestre, tandis que vous et vos soutiens serez condamnés à la corde. Quant à vous, mercenaires, merci de nous avoir tendu la main et rétabli la justice. Tant que la guerre grondera et Doran, le gouvernement de Stromkop accueillera les réfugiés. Prenez votre récompense et sachez que vous serez toujours les bienvenus ici. Très bien. The Fate of Tiltren et Slightseer, je sais pas ce que c'est. J'ai terminé l'histoire. Félicitations, vous avez terminé le scénario de cette région. Les réfugiés sont débarrassés du capitaine Rovan, vous avez permis aux réfugiés de rester dans la bergerie, les réfugiés peuvent exploiter le bois de Tiltren, le forgeron réfugié travaille pour les villageois de Stromkop, vous avez aidé les brigands à sauver un réfugié. Bon. Du coup, oui, on va Stromkop, mais je peux pas parce qu'il faut poser le camp, on est épuisé. Et... si j'ai de la viande. Je
j'allais dire pour les deux là qui... Non. Les deux pestiférés. Ok. Ouais, et il faut que je verse la solde, donc... Oh, on est plus trop lourd, très bien. Donc du coup, on peut aller à Strong Cap ? Maison communale, ça va changer du coup. Fergas, la chaîne des réfugiés. Les habitants de Tiltren n'ont pas accueilli les réfugiés de gaieté de cœur, mais peu importe. Ils n'ont qu'à obéir à leur nouveau bourgmestre, c'est tout ? Ouais, c'est tout, ok. Première chose, cabinet d'apothicaire. Soigner tout le monde pour 60, oui. Pourquoi Kert il est pas soigné? Il est blessé. On va prendre un remède. Je pense que c'est contamination. Soigner la blessure. Vous n'avez aucun remède pour soigner cette blessure. Rendez-vous chez nous pour en acheter. Je pense que c'est un autre type de remède. Remède contre la peste. Ouais, putain, ça coûtait cher tout ça. Ok. Bon, par contre, ah si, on a récupéré. La carte ne peut pas équiper armure intermédiaire. Alors attends. Toi, t'as une armure lourde. Toi, t'as une armure intermédiaire. Armure lourde, tu peux? Non. Un peu moins de critiques, mais plus de garde et plus d'armure. Non, ça me va comme ça. Toi, armure lourde, mieux. Ok. Et c'est à peu près tout, en fait. Scalpel, babiole, ouais. Toi tu peux pas. Toi tu peux. Frappe lourde. Ah bien. Ouais c'est tout j'ai l'impression. Ok bon on va vendre des trucs. On va aller chez le forgeron aussi. Non attends déjà. Non c'est pas là. Récupérons notre, l'argent de nos contrats. Ok très bien. Alors attends, on va en prendre un... Bon, je peux en prendre de suite en fait. Il me faut un cheval et il me faut un compagnon de plus. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de facile. Hein. Ah si. Et on va les accepter comme ça. Ouais. Pour une facile, bon, c'est pas très utile. C'est pour avoir de l'argent possiblement récupérable rapidement. Négocier. Négocier. Ouais, donc on était à 160. On arrive à 170. Moi, c'est pas ouf. Pour l'influence dépensée. Toi, l'informateur, t'as pas des trucs à... Ah non, t'as rien pour moi. Bon, ok. Et donc là, je crois que j'ai un archer. Je vois un carquois derrière, non? Pas du tout. C'est pas de ça que j'ai besoin. Non. Oh, non plus, j'ai aucun archer, c'est fou. Toi t'as quoi? T'as pas des trucs? Pomme, blé, miel, c'est pour faire mat fin aux pommes, ouais, bof. Enfin bof. Ça coûte 14, non ça coûte 30, wow, c'est cher. Bon alors attends, on va sortir. Attends, il m'embête ce truc là, enlève-le. Voilà. Non, je galère, excusez-moi, c'est pas là que je voulais aller, c'était... Mais je réclique dessus, je vois du vert, je crois que c'est de la bouffe, mais c'est pas là. La bouffe, c'est le marché aux trois lapins. Donc je pense que si on va prendre juste du blé et du sel, hein. Je sais pas s'il y en a des deux côtés, là. Ouais. Vin de blé. Vin de sel, pardon. Vin de blé.
Donc on a de quoi faire du pain. On va aller à la forge, en espérant pouvoir forger des choses. Tiens, attends déjà. Non. Clic gauche, pas clic droit. La masse à deux mains, j'ai pas de truc à deux mains. La torche, on peut la garder. Ça. Ouais. Je peux regarder si elle a... Pourquoi tu peux pas? Je comprends pas. Ah, armure légère, on est parti là-dessus. Et toi? Armure légère aussi, d'accord. Bon, mais écoute, on va la vendre. Ça fait du poids pour rien. Retri. Saphir 20. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Enfin, du cuir, j'en ai quasiment pas. Ouais. Ok, donc, est-ce que je peux forger des choses, apprenti? Couteau de lancer, hache de lancer, targe. Ouais, déjà, ce sera mieux, comme bouclier. J'en ai pas fait? J'ai jamais fait de targe. Ça m'étonne. Si, pour toi. Pour toi, il t'en faudrait une, ouais. Mince, trop tôt. Voilà. Je sais pas si elle est de niveau... qualité supérieure, ouais, cool. Ok. Voilà, mieux. Je te vends ça, bien. Tiens, la torche, je peux pas l'équiper à toi, si, je pense. Main gauche. Voilà. Et on est pas mal. J'ai quoi comme métier, là? Forgeron, mineur... je sais plus comment ça s'appelle. Voleur. Bricoleur. Ah, peut-être avec le bricoleur, on peut faire des choses. Hameçon de pêche, mais j'ai pas de pêcheur. Non. Faudrait du cuir. Faut toujours du cuir, en fait. Ok, bon, on quitte le camp. On sort. Et alors, du coup, direction... c'était où qu'il fallait le laisser passer? C'était là? Ouais. Direction ici. Bon, on va passer là, plutôt. On passe par là. Alors, on va aller chercher les contrats, et après, on va direction... direction Edoran, je crois que c'est ça. Tiens, non, attends. D'abord, on va passer aux écuries du plateau. Prendre un cheval de plus. Non, je voulais pas voler, je voulais cliquer sur le cheval. Solitaire. Ah oui, c'est vrai qu'on peut, avoir des animaux dans notre... Putain, il est génial, lui. Pour le combat, mais j'ai pas envie de le faire combattre, en fait. Transport augmenté de 20, ouf. Ou combat, mais après, il est tellement bien pour le combat, celui-là. Laborieux. Transport, mouvement. Ouais, donc pour l'instant, on reste sur toi. Rapide, bruyant. Humaniste. Non, bon, on reste sur lui, alors. Ouais. Adopté. Et ah mais je les ai les faire, attends. Ouh attends, j'ai vu un objet, c'est quoi? C'est une babiole? Ah ouais. Toi, est-ce que t'as des fers? T'as pas de fers? Ok, donc il manque des fers. Ah, faut que j'arrête de me tromper de bouton. Là. Voilà, partir. Poney, tu prends des fers. Voilà. Et on te donne... Mouvement plus 1, ouais. Ok. Allez, direction. Les contrats de chasse.
faut qu'on stoppe des sangliers parce que ça rapporte tellement de cuir. Ça vous a pas du blé? Non. Tu veux quoi? Trois pains? Non, j'en ai besoin. J'ai perdu mon point. Parce qu'il y est plus. Ah non, il est là, au nord. Moi, je contourne la forêt, puis on part au nord. Tiens, des marchands. Revenez! Allez. On va y arriver. Eh ben. Yes, du blé, je te prends tout. Ok, cool. Bon, le reste, j'ai pas. Enfin, j'ai pas besoin. Donc, c'est bien là-haut qu'on part. Ouais, il est là, mon point. Non, c'est là. Ah oui, je sais plus, non, c'est oui, là, voilà, par là. Ouais, ils sont là. On va peut-être pouvoir les avoir par surprise. Ah, mur invisible. Avantage au combat, très bien. Ok. Alors, t'es le premier à attaquer. Il manque du monde là. Ah. Putain, il manque un tank là. Ah. Ah oui, non, c'est lui. Toi, je vais te cacher, mais où? J'ai l'impression que je puisse te cacher quelque part. Ok, alors on va plutôt faire ça. Ça. Et ça. Si tu veux venir, bah tu te manges les deux. C'est lui le premier attaqué, ouais. Et ensuite, lui. Ok. Le saignement, ça inflige 2 de santé, moins 20 de santé maximum, moins 20% de santé maximum à la fin du tour. Ouais, il a pas saignement parce qu'il a une armure encore. Alors, avec ta nouvelle masse, frappe lourde, 10 à 20 dégâts, waouh. Ah ouais, bah c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Tiens, mais toi tu vas aggro lui. C'est très bien. Qu'est-ce qui fait mal? Mais c'est un truc de ouf. Il a tiré de recul lui. On va prendre Fetam, il a plus d'armure. Ou attends, ouais. Et on va faire ça. Comme ça, on va le tomber vite, lui, et on peut aggro lui après. Voilà, tu te retournes là, c'est très bien, c'est le but. Comme ça, après, je te prends dodo ici. Voilà. Ah ouais, pas mal ça. J'ai 6 utilisations de la torche. Et je brûle tout le monde dans, dans le cercle là. Bon. Toi t'es un grand courageux toi.
Ah bah. Alors. Bon, lui, on peut le tenir longtemps. Hein. Ah bah parfait, on le finit. Et du coup, on finit lui aussi. Oh là là, c'est tellement violent. Adjacent à un ennemi sans être engagé. Ok. Après c'est un contrat facile. Le prochain, c'est toi. Protection. Ok. Tu peux le finir? Non. Mais c'est bien dommage. Ça va, ça va. Ouais, quand on commence à avoir des armures un peu plus solides, c'est quand même mieux. Bah, au prochain tour on le finit lui, très bien. Oh là là, c'est d'une violence. On va se caler là. Qui peut finir qui? Toi, tu peux finir lui. Ça va te faire l'XP, Gunik. Gunik, Ludar. Gunik, c'est mon autre tank. Viens là. Viens là. J'ai pas envie que je préfère que lui se fasse toucher. Ouais. Eh ben. Ça pue pour ton matricule, braconnier. Oh putain, il est fait mal. C'est pas une bonne idée d'avoir mis en première ligne lui. On va prendre attaque tous là. Ouais, donc ah bah très bien. Très très bien. Voilà, combat terminé. Impeccable. Vous avez atteint le niveau 2 de la voie crime et chaos. Accès au contrat. L'assassinat du tableau des primes. Est-ce que je prends tout? Ça oui. Voilà, ça vaut de l'argent quand même. 56, bien. Tout soigné. Oui. Tout réparé. Oui. Continuer. Oui. On est KO. Pause. Et pause aussi pour l'épisode. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut à tous.